Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va bien chez vous. Moi les gars, ça va plutôt pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui sont dégoûtées du football, qui n'y jouent plus du tout alors qu'ils y jouent vraiment avec parcimonie. En tout cas, on est d'accord pour dire que la communauté e-football, ça me nuise de jour en jour. Par-dessus ça, eSport annonce les prochaines nouveautés de FIFA 23. Du coup moi, sur mes réseaux sociaux, je vois beaucoup de joueurs eFootball PES traditionnel qui disent qu'ils vont passer sur FIFA et qui sont hypés par ces rumeurs. Je me suis donc posé la question, est-ce qu'on a le droit d'être hypé par les annonces de FIFA et est-ce que des joueurs PES et eFootball vont pouvoir aller trouver leur compte chez la concurrence? Évidemment, c'est le but de cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question, je vais t'expliquer ce qu'a annoncé EA dans les nouveautés de FIFA et je vais te donner mon avis personnel. Si la vidéo te plaît, le like, l'abonnement, on est parti. Alors déjà les gars, je vous dirai jamais, ne jouez pas à ce jeu. Jouez à ce jeu, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça pour moi, c'est complètement de la merde. Chacun fait ce qu'il veut et on n'est pas marié à un certain jeu vidéo. Ça m'est même moi arrivé de passer d'un jeu à l'autre et inversement. Cette année, je me suis posé pas mal de questions et du coup, voilà, cette vidéo elle va servir à ça. Les nouveautés sur FIFA sont lesquelles? Bon déjà, FIFA 23 sortira le 30 septembre, ce sera le dernier jeu FIFA EA Sport. Après, ce sera EA Sport FC et ce sera très certainement un free-to-play. On va pas se mytho. On a vu que c'était Kylian Mbappé, l'égérie et une nana, une joueuse de foot. Parce que oui, il y a l'arrivée de la D1 féminine. Voilà. En fait, vous allez voir pourquoi je dis ça comme ça. Qu'il y a plein d'annonces qui, pour moi, c'est complètement du vent. Voilà, ça ne va intéresser personne. Et vous allez comprendre très vite que mon avis, finalement, il est assez clair et net. La deuxième grosse annonce de FIFA, c'est le crossplay. Alors, ce sera crossplay sur FUT, ce sera pas crossplay sur ce magnifique mode de jeu qu'est Club Pro. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, ça, d'accord, crossplay, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est pas mal. On va dire, c'est pas mal. L'autre chose, c'est l'Hyper Motion 2. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que l'Hyper Motion? Ça nous avait été annoncé l'année dernière comme un truc next-gen. C'était de la capture de mouvement pour que les joueurs aient un réel player ID. Alors, est-ce que les joueurs avaient un player ID sur FIFA 22? Pas du tout. Voilà, pas du tout. N'importe quel joueur tirait de la même façon, dribblait de la même façon, suivant ses notes de gestes techniques, etc. Hyper Motion 1, pour moi, c'était de la piste de chat. Donc, l'Hyper Motion 2, évidemment, ça va être la même chose. Ça va être pareil. C'est, pour moi, c'est du pipeau. Donc, ils te font croire avec ça que le jeu va être plus simulation, va ressembler plus à du football. On y croit fort. Au niveau du next-gen, bon, Xbox Series, PS5, comme l'année dernière, mais ils rajoutent le PC. Ça, c'est bien, parce que je vois pas pourquoi le PC, c'était pas un jeu next-gen, alors que les PC sont, en général, au moins aussi puissants, voire plus puissants que les consoles next-gen. Et l'autre nouveauté qui a fait parler beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, c'est l'arrivée de nouveaux commentateurs, à savoir Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Petite anecdote, soirée de lancement de PES 2020, une soirée de septembre chez Konami France, avec plein d'invités de prestige, du Kameto, du Yas, du Rebeu des Terres, du Joël, bref, du très lourd. Et qui avait en petit guest, en gros guest, Omar Da Fonseca qui avait passé la soirée avec nous. Et tu avais posé la question, Omar, est-ce que tu seras le prochain commentateur du prochain jeu? Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas qui allait être le commentateur de PES 20. Et il a dit, moi j'aimerais beaucoup et ça ne dépend pas de moi. Donc hier, quand j'ai vu que FIFA annonçait Omar Da Fonseca, je vous avoue, j'ai eu un petit nœud dans la gorge. Mais, et ça c'est très important, encore une fois pour moi, c'est un effet d'annonce. Est-ce que ça va révolutionner votre jeu d'avoir Omar Da Fonseca? Non. Est-ce que la plupart coupent les commentaires? Oui. Est-ce que ça va pas être un petit peu relou d'avoir Omar Da Fonseca avec sa verve qu'on kiffe dans les matchs de foot? Mais là, sur les jeux de foot, quand on entendra la même phrase revenir sans cesse et sans cesse, je pense que ça va être assez relou. Donc, c'est bien, on va pas se mentir, mais ça va pas révolutionner le jeu du tout. Je pense que maintenant, après avoir expliqué tout ça, tu as compris un petit peu mon point de vue. FIFA va faire du FIFA. FIFA va être exactement le même jeu que l'année dernière, que l'année d'avant, que l'année précédente. Ce qui veut dire que si tu te dis « Oh, je pense que eFootball, moi j'en ai marre, c'est de la merde, il n'y a pas de contenu », t'as raison. Je vais passer sur FIFA. Si tu veux savoir si FIFA va te plaire, télécharge le FIFA de cette année, là, FIFA 21,
joue-y quelques matchs, etc. Et tu vas tout de suite voir si ça peut te plaire ou pas. Parce que oui, ça peut plaire. Il y a des gens que ça ne dérange pas d'avoir un jeu qui est arcade, un jeu très rapide, très skillé. Mais si toi, ce qui te faisait jouer à PES, c'était un jeu de football avec des sensations footballistiques, bah en fait, tu ne trouveras pas ton compte du tout sur FIFA. Et malgré tout, malgré ce que tout le monde dit, eFootball reste à ce jour le seul jeu avec un vrai gameplay de foot simulation. Je suis désolé. Alors là, j'en vois déjà qui vont me dire « Ouais, mais le script sur PES, les collisions, nanani nanana ». Sur FIFA, les gars, le script, il est au moins aussi important que sur PES. Et si tu dis le contraire, c'est que t'as pas joué aux deux autant. C'est pas possible. Au niveau des collisions, sur FIFA, bah, y a pas de collision. Les joueurs, ils glissent, ils se rendent pas trop dedans, etc. Mais par contre, t'as quand même des balles qui passent entre les jambes et des trucs fous et des contre-favorables à l'appel. T'inquiète pas. Donc en fait, pour moi, tu trouves à peu près les mêmes défauts dans les deux jeux. Sauf que t'en as un qui est axé plus fun, rapide, arcade. Et l'autre qui est axé plus lenteur, simulation, c'est eFootball. Par contre, la grosse différence entre les deux, c'est que t'en as un qui a du contenu et un autre qui est complètement vide. Donc évidemment que FIFA 23, d'ailleurs FIFA 22 c'est la même chose, va être un bien meilleur jeu vidéo que eFootball. Mais moi je te parle uniquement du gameplay pour faire ton choix. Après si ça te dérange pas, franchement, va jouer à FIFA, tu vas kiffer. Personnellement, j'ai essayé les autres années et à chaque fois je suis revenu sur eFootball parce que bah, ce jeu me manquait. Petite dernière chose qui va forcément vous arriver si vous décidez de passer le pas sur FIFA. Et encore une fois, vous avez totalement le droit. Septembre, octobre, vous allez kiffer le jeu. Vous allez dire franchement, le jeu, il est bien. Il n'est pas si arcade, il n'est pas si rapide, etc. Sauf qu'il va y avoir la communauté qui va gueuler, la communauté qui va demander un jeu plus rapide, plus arcade et eSport qui va accepter et qui va aller dans ce sens. Et ça, c'est tous les ans pareil depuis maintenant plusieurs années. Donc arrêtez de croire que ça va changer, ça changera jamais parce que la base des joueurs FIFA, c'est surtout des anglophones et eux, ils kiffent la rapidité, ils kiffent les skills, ils kiffent le fun et c'est bien pour eux. Mais du coup, si vous, c'est plus les simulations et un jeu qui ressemble à du foot, bah soit en gros vous avez football, soit bah, vous n'avez plus de jeu de foot. C'était Luthor, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les mecs.